Ladies and gentlemen, good morning. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Stuck in the motherfucking traffic. Il est 9h17, le train est à 9h20, mais tout va bien. Bienvenue avec nous dans ce périple Montpellier. Lyon, la ville de ma vie, on adore. Ladies and gentlemen, good morning. 5 hours later. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. 1. On a eu notre train. 2. J'ai peut-être fait une petite connerie. Petite. En inversant TGV et TER, du coup, on a mis 4 heures pour faire Lyon-Montpellier au lieu de 2. Mais ça nous a permis d'admirer le paysage, les vaches, les chevaux. En tout cas, on est bien arrivé à Montpellier pour le défilé engagé de Shop Espoir. On est au Dicigny Hotel. C'est absolument magnifique. Je vais juste, avant de faire 2-3 images, te montrer la taille de la baignoire. Vous n'êtes pas prêts. On peut rentrer à 1,74. Il est 18h15, nous venons de nous réveiller. Je ne vous ai pas amené toute la route. Rainé, mais rainé d'une rainance de l'extrême. Waouh, je ressemble vraiment à Chi, frère. On va du coup au défilé Shop Espoir. Le week-end commence ici. J'ai une invitée mystère qui est dans l'hôtel. Je l'appelle Now, Now, Now. Ok, elle ne répond pas. Hey, salut. J'embarque toujours avec moi une fucking bande élastique de ce type. Je supporte pas de pas bouger un petit peu et malheureusement dans les hôtels il n'y a pas tout le temps. Il y a des petites salles ou des trucs interesting. La prise de masse se porte plutôt bien pour ceux qui peuvent constater. Du coup l'invité mystère arrive d'ici 5 petites minutes. On va descendre dans un bout parce qu'on a toujours pas mangé. On a bien fait beaucoup de viande récemment, beaucoup de gras. Il est temps de shred tout ça d'ici un petit mois. Ça va être non, bien sympa. Tristan, le moelleux. Je pensais que c'était un... Tu sais le genre de truc... John, incruste-le ici, là. Le genre de truc, ouais, qui sert à s'asseoir dessus. Replié en boule. En fait, c'est un goupic sauvage. Invité surprise, mystère, abonné. Je voulais vraiment faire une grosse pub à l'hôtel parce que accueil de fou, lieu de fou malade. Je vous aime bien les gars, si vous voyez cette vidéo. Mais par contre, j'ai pas mangé à midi et j'ai pris un peu de protéines pour, tu vois, faire tourner quand même la machine. Et comme je paye 29€ un saumon, je m'attends quand même à avoir un saumon dans l'assiette, tu vois. Mais par contre, 29. Ça me rappelle un petit vlog parisien. Pardon, c'est tout? Attends, j'ai payé mon omelette 18€ pour ça. Toujours les mêmes. Après on va dire une Tristan Pénimer. Toujours les mêmes, x2 égale encore pire. Allez, à ta vie ça. Tu te sens comment là? T'es deg? Ouais. Mais en Maxou ça va le faire, t'inquiète. Pourquoi t'es en retard? Qu'est-ce que t'as fait? J'ouvrais des bouteilles de billes, je m'en foutais la moitié. Eh bah bravo! Bravo Max qui organise le défilé du Shop Espoir, qui s'enfile la moitié des bouteilles qui sont pour les gens du défilé. Allez, à toutes! À toutes. Go. On est arrivé, on est en retard, tout va bien, on est là. On est arrivé à l'heure du lancement. On va enjoy le défilé. Il y a 1€ du coup qui est reversé pour chaque truc que t'achètes, plus 30% du chiffre d'affaires. Donc du coup on va faire choper un peu la CB pour la bonne cause. Ouais, elle est vraiment trop stylée. Ouais. Non, remontre espoir derrière, tourne. Quand tu veux. Vous savez tous mon talent inégalable pour la danse, je vais donc laisser ces messieurs s'enjailler sur le dance floor. Ils ont mis la table juste pour nous. Alors, je vais vous prendre personnellement des œufs à la coque avec jus d'orange pressé. Avec une crêpe vanillée. J'essaie d'appeler la grosse là qui dort. Et en fait, je pensais qu'on allait être plein d'influx, genre plein de monde, puis il y a que nous trois petites têtes. Ils nous ont mis très très bien. On dort ou on va au petit déj? Petit déj. Tu dis qu'il fasse pas bon, on va manger dehors. Bon appétit. Oh les mains, vous êtes cernés.
que vous voyez, vous? Dites-le nous dans les commentaires. Avouez que là, on voit un éléphant avec une truc. Moi, je vois un singe, mais elle, elle voit un éléphant. Un éléphant avec... Mais non. Ladies and gentlemen, day 2. We are at Montpellier, as you see. Everything is thanks to this girl. Oh, l'accent français-anglais, c'est horrible. So this is Georgia. Georgia, you can say hi. You know what I mean. Si tu veux te présenter rapido, faire un petit coucou, dire un truc pour choper espoir ou je ne sais quoi, tu peux te faire plaisir. Ok, bah écoute, je vais le faire à ta place. Hier, on était au défi des Shop Espoir. C'est grave cool parce que ça défendait une vraie cause. Donc, genre, il y avait le papa des gars qui ont créé ça. Il a quoi, la maladie de Charcot, c'est ça? Ouais, donc en gros, c'est un peu le même bail que Stephen Hawking. C'est ça. Ouais, donc du coup, il pouvait plus parler et tout. Il parlait en mode intelligence artificielle, tu vois. Grâce aux yeux qui écrivent des trucs sur les claviers et tout. Donc, c'était des trucs de fou. Ils se battent pour ça. Et du coup, c'est trop beau de voir des vraies valeurs en fait à travers des défilés comme ça. Comme là pour apporter un peu de visibilité à tout ça. Hey yo. C'est Cherbo, à part qu'on se croirait en Amazonie. Chaud. Je confirme que à l'alter ego, ils font les meilleurs mojitos que j'ai jamais goûté de ma vie. J'avoue que c'est plutôt tasty. Pour moi, il m'en faut absolument un et je suis dans le même état que tout le monde avec 4 shooters dans le sang. Mais en fait, il y a de la liqueur de noisette dedans et c'est un délire. Je peux vous garantir que ce mojito, c'est un des meilleurs que j'ai goûté. Genre vraiment un des meilleurs. Ouais, je suis vraiment content du résultat. Oh my god. Thank you. J'osais pas le dire, c'est là. On a bien mangé. Voilà, demander aux jeunes filles par là, ça a pris entre plat, dessert, plus dessert, x4. Donc bon, ça finit tranquillement avec Mr. Simon, just right there, qui est celui qui a organisé tout en fait le défilé, tout simplement celui qui a créé Shop Espoir. Je pense que je vais vous laisser papoter avec lui 2 minutes. Il partage des très bonnes valeurs et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là. Je pense que vous pouvez énormément apprendre de ce jeune homme. Alors, moi je suis Simon, le créateur de la marque Shop Espoir. Donc voilà, mon père a été atteint de la maladie de Charcot il y a 2 ans. Si je peux vous conseiller, c'est que la vie vous envoie plein de combats, plein de messages, plein d'épreuves. Et en fait, il faut juste les prendre de façon positive et en faire une force. Voilà. Et surtout, tout est dit, ne perdez jamais espoir. Puis vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Il faut juste le partager. Faites-en une force. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. On pourra vous aider. Vous aurez du coup tous les liens de Shop Espoir dans la bio. Et en fait, quand vous me suivez un petit peu, du coup, bah, vous voyez de plus en plus Julie sur mes stories. C'est la même chose pour elle. C'est la même chose pour moi, pour des trucs qui se voient pas forcément sur mon corps. Ou c'est pas des maladies, mais des trucs qui me sont arrivés. Ouais, on partage juste les mêmes valeurs. Donc tout simplement, si vous avez des petits soucis et tout ça, parlez-en juste autour de vous. Le soutien, ça peut faire énormément de choses. Salut. J'annonce, je suis devant, genre. Vous, derrière. Allez, Sarah. Ça va, les gosses? Ça doit faire depuis le lycée que j'ai pas fait une vraie session d'escalade. Moi, depuis le collège. Ouais, voilà. Ça va être assez funny étant donné que je suis en pleine prise de masse, que je pèse du coup 84 kilos. Ma force relative est très nage en fait. En gros, juste t'as 2 types de force, t'as la force absolue, la force relative. Absolue, c'est juste le plus de poids que tu peux pousser. Donc là, ça va parce que je suis au plus gras et tout et c'est cool. Par contre, la force relative, c'est relative à ton poids de corps. C'est pour ça que là, de ce côté-là, je suis très 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 naze. Parce que je fais des séries de 10 tractions et je congestionne déjà. You are with us. Pro de l'escalade, on se fait en action. Je vais monter en tête pour ceux qui s'y connaissent. Qu'est-ce que tu vas monter toi? En vrai, ce que vous savez pas, ce que vous voyez pas vraiment, c'est Tristan, les gars. Il a tellement pris des cuisses. Mais regardez-moi ces jambonneaux. Les grosses que, cuisses. En fait, pour son truc d'escalade, limite pour le serrer, t'as juste besoin de faire. Donc, et ça, c'est bon. Ce qui a le plus pris toutes mes perfs, c'est le squat, le back squat. Et effectivement, moi j'ai tout pris dans les quadrilles. Et je le vois, tu vois. Donc, quand je marche, ça fait quick, quick. Ah, on dirait un pingouin. Le programme Beyond Fitness est toujours disponible dans la MBO. Mais regardez-moi ce boule made in Beyond Fitness, motherfucker! Allez, t'es bientôt à la fin! Courage! Ouais! What happens? Ah ouais, ah, c'est pas la salle! Pas la salle! Voilà. C'est pas de la vieille gonflette comme... En vrai, ça va. La gym, ça m'aide. Mm-hmm. Mais je me chie. En fait, j'ai... quand les prises sont trop petites, ouais, ça fait peur. J'ai trop peur de tomber. Après, quand tu comprends qu'au pire, tu meurs pas, c'est pas la mort. Les gars de l'escalade, respect, genre ça me rappelle des cours de kung fu intensif quand je m'entraînais genre 3-4 fois semaine et qu'il y avait des pompes sur les doigts en mode durcissement de tous ces petits trucs horribles là, ça fait trop mal.
Monte ton pied gauche à ta cuisse gauche. Ouais. Pousse fort dessus, attrapant. Allez, déchire-moi ça sinon. Je fais le malin, mais j'y vais dans 3 secondes. Et... allez, hop! On va faire une allégorie. Ce que vous venez de voir là, c'est exactement comme quand à la salle. T'arrives, toi tu passes une grosse barre en rep max, toi t'es éclaté. Et un gars il arrive, il s'échauffe avec ta barre de rep max. C'est la même chose. C'est l'enfant. Droit, banane, droit. Voilà. Et là, traction. Allez, go. Et ouais, 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 ouais. Une fois que t'es là, tu fais comment? Comme ça. Ça, c'est la pression des abonnés, ça. Comment une tuerie? Post-workout time. Nous avons donc une brochette tandoori plus des mozzastiques. On a remplacé les frites par du riz parce qu'on est un healthy boy. Et la salade par des haricots verts cuits parce qu'on n'aime pas les oxalates. Et les légumes pas cuits. Cheers! 300 balles quasiment. Ok, il y en a un chez moi dans 2 jours. T'as ce setup de PGM photographe. C'est trop bien les lumières, hein. T'as à l'époque, shooting studio. Putain, j'en ai tellement chié avec toutes ces merdes là, Bangkok et tout. Ladies and gentlemen, with my girl, une blonde, une brune. Alors, on n'est pas trop à plaindre. En mode touriste, c'est-à-dire qu'on est au marché du Lez. Pour les gars de Montpellier, vous devriez peut-être connaître. Ça a grave de la gueule. Genre, t'as l'impression d'être dans un bail, je sais pas, un bail un peu londonien ou quoi. C'est ultra cool. Cette jeune fille-là, je ne la reverrai plus avant un bon petit bout de temps parce qu'elle bouge à Miami, you know. Parce qu'elle a bien d'autres choses à faire que de rester dans ce pays. Ouh, je vais faire gaffe à ce que je veux dire, mais où on va dire. Parle pas trop. Voilà, on arrive à la musique. Non, j'adore mon pays, j'adore, mais c'est juste que les opportunités pour se développer dans ce genre de milieu sont ultra fermées et on reconnaît pas les artistes à leur vraie valeur. Je suis pas un artiste, mais genre les gens comme elle, donc ça va lui faire du bien, je pense, de bouger un peu. C'est bien beau de danser, mais moi, sauf fin, il est 16h, on n'a pas graille encore. Wow, c'est trop beau, regarde, il y a des stormtroopers, mais c'est vraiment un délire. Sur la caméra, cheveux. Michael Jackson chinois, c'est original. Salut, original. Dédicace, buddy. Et voilà, on les a perdus. Come on at the mother trucker. Je vais chercher du fromage à la cave. Vas-y, vas-y. Alors, on en fait, par contre. Au revoir. Look at this, brother. Je pense que c'est le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie. Il est excellent. Il est tasty as fuck. Et on est en train de checker le clip vidéo d'un de mes frérots. Marius. Je vous mettrai le lien de sa vidéo juste là et le lien de sa chaîne si possible. Il nous a produit une vidéo de son road trip en Australie. Il est méga chaud. Allez, cheers le bitch. Une petite goutte. Hercule. Ah, d'accord. Dites en commentaire si vous connaissez Hercule. Si vous... Okay, parce que moi, une petite goutte et une petite goutte, je ne me dis pas trop penser à Hercule. Ah, c'est beau. Une citronnelle. Bonjour, ces trucs.
compte que j'ai absolument aucune référence cinématographique parce que bah, je suis un bébé genre. Tu fais quoi là Sarah à la friterie, elle a tout Sarah, acheté. Sarah, tu peux poser les vestes du magasin? Non, partout. Miss. Ok. Allez, contrôle la boule. On va lui apprendre. J'aime pas le boule. J'aime pas les trucs où je suis nul. C'est un vrai compétiteur, c'est quelqu'un de très ambitieux dans la vie. Quand il arrive pas à faire quelque chose, mon dieu, ça le rend dingue. En fait, là, il dit qu'il aime pas le bowling, mais c'est juste qu'il sait pas à faire. Et s'il était très fort, il aimerait trop, tu vois, parce qu'il nous mettrait la pâtée. Et la pâtée, qui dit ça? Il nous mettrait la pâtée. John, mets une pâtée, s'il te plaît. Là, il est en train de se faire laminer, je vais vous montrer. Et du coup, il râle. Ah, il est en train de lui apprendre. Voilà. Ok, voilà. Je peux dire bowling girl professionnel. Voilà, voilà, voilà. Et après... C'était une merde au bowling et je viens de comprendre maintenant. Bah, j'ai dû aller 10 fois dans ma vie. La technique ultime grâce à demoiselle Sarah. Merci Sarah Vanessa. Ceci est ma chambre. Miss Sarah Van Elst s'enfuit demain matin et sous prétexte qu'elle est moche, elle veut pas dire au revoir. C'était la dernière vision que vous avez eue de demoiselle Van Elst. Early the next morning. Président. Salut. Je suis partie. Mais tu t'enfuis. Mais viens dans ta tête. Bye bye.